Bonjour à toutes et à tous, nous sommes là pour comment installer le mode Essential Arrows qui permet de rajouter un arc et 5 sortes de flèches. Donc pour ça, vous allez dans démarrer, exécuter, pardon, et pourcent appdata pourcent, donc désolé pour les bruits. Ok. Vous allez dans dossier point Minecraft bin minecraft.jar, vous l'ouvrez. Pour cela, vous devrez télécharger le mode loader et le dossier des arrows, le mode arrows. Donc vous supprimez le dossier meta-inf si ce n'est pas déjà fait. Ensuite vous ouvrez votre mode loader, donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous prenez tout, vous mettez tout. Ok. Et vous faites la même chose avec Arrows Mode. Donc, prenez tout, vous mettez. Ok. Ensuite, quand cela est fait, vous ouvrez Minecraft pour voir si ça marche bien. Single player. Donc, je vais vous montrer l'exemple. On va commencer par des flèches explosives. Ah oui. Je vais chercher un endroit où tester. Je vais vous reprendre après. Donc, désolé pour le bruit. Donc, à plus tard. Donc voilà. Pour les crafts. Donc, pour cela, vous devez commencer par avoir une table de crafting. Donc, qui se craft avec 4 planches. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait. Donc, vous l'ouvrez. Donc, pour faire l'arc ici, homing bow. Ce qui permet. Quand vous tirez une flèche avec, ça va toucher le mob le plus près qui est aux alentours vers la direction que vous visez. Pour commencer, flèche explosive. Prenez des plumes, des sticks. La flèche explosive, ça se fait avec de la gunpowder. Gunpowder, flèche explosive. Ensuite, avec un charbon, ça vous fait une flèche en feu. Donc, je sais pas si ça marche aussi avec les charcoals, mais bon. Une flèche de feu. Ensuite, les flèches d'éclair, vous mettez un diamant et ça vous fait une flèche qui fait des éclairs. Vous voyez. Pour faire une flèche œuf, vous avez besoin d'un œuf. Ils ont tous un petit rapport. Un œuf. Et pour faire des flèches glacées, il vous faut une boule de neige. En tout, il y a 6 sortes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc 5 sortes.
Voilà, vous avez vu. Donc, désolé pour les bruits. Donc, désolé. Donc, ici, vous avez. Donc, les œufs d'œuf. Enfin, tout ça. Donc, si vous en gardez plusieurs, ça va en prendre une sorte au pif, hein, donc, comme les dispensers. J'ai commencé par montrer Egg Arrow. Donc, vous avez un animal tout près de vous. Prenez votre arc automatique, par exemple. Ah oui, arc automatique qui se crafte comme un arc normal. Donc, 1, 2, 3. Comme ça, hop. Sauf qu'à la place des sticks, c'est des diamants. Donc, ensuite, l'arc permet de touche les animaux et les transforme en poulet. Hop. C'est transformé en poulet. Il y a plein de chiens ici. Voyez, ça touche bien. Vous voyez, je tire là, par exemple là, ça a quand même touché la vache. Je peux tirer tout là-haut, hein. Ça les touche quand même. Donc, ensuite, les flèches explosives. Comme leur nom, ça fait des explosions. Voyez. Vous pouvez tirer en dessous de vous pour faire du minage, ça vous fera pas de dégâts. Ouais. Je tire en dessous de moi. Ça ne fait pas de dégâts. Voyez, hein. Donc voilà. Ensuite, les flèches de feu. Donc ça enflamme n'importe quel animal. Ça les tue. Oui. Ça les enflamme. Comme vous pouvez voir. Donc, ensuite, les flèches ice, donc ce qui veut dire. Non, d'abord, ça, c'est les flèches éclairs. Hop, il y a un éclair. Vers là où vous visez. Ensuite, les flèches de glace. Ça paralyse l'animal que vous touchez. Voyez, il bouge plus. Le mouton ne bouge plus. Donc, c'est ici que va se finir. C'est maintenant plutôt que va se finir ce tuto. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt.